l'artiste maison du club Blue Note. Alors, son nom circule déjà beaucoup. Il a croisé beaucoup de monde, on le connaît. Et lui aussi, au début des années 60, quand il arrive à New York, il signe chez Columbia comme Aretha. On peut imaginer que c'est dans les couloirs du label qu'ils se sont rencontrés tous les deux. Il enregistre sous son nom. Il connaît très vite le succès avec des singles plutôt dansants. En voilà un qui date de 1960. Il l'enregistre avec son fameux combo. Mais il y a des soufflants en plus. Il y a Buddy Tate au sax ténor, Herbie Green au trombone et Harry Edison, surnommé Sweet, à la trompette. Ce morceau-là, il date de 60. Il s'appelle Madison Time. Et oui, c'est bien un hommage au Madison, la danse. Il y a même un MC dans le intro, dans le morceau, qui nous apprend comment danser le Madison. C'est Eddie Morrison au micro. It's Madison time. Hit it. You're looking good. A big strong line. When I say hit it, I want you to go two up and two back. With a big strong turn and back to the Madison.